Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois pour la manche 6 des constructeurs. Je suis toujours chevoulé. donc du coup, voilà, cette fois-ci, je pars 14e. Encore une fois, on va faire la même technique que la course précédente, c'est-à-dire partir en dur pour finir avec les moyens, parce que je le rappelle, il faut chausser les durs et les moyens pour cette course. On se rappelle, pour ceux qui ont vu la course précédente, je vous invite à aller le faire, parce que voilà, c'est la deuxième tentative ce soir. Je pouvais faire un bon résultat, être dans le top 10, c'est-à-dire finir en 9e position à la course précédente. Mais petit quipoco, petit problème, c'est que il y a quelqu'un qui était transparent, il a juste réaccéléré un tout petit peu. Et ça l'a foutu, ça l'a enlevé du mode fantôme. Et du coup, celui qui était à côté de moi, au lieu d'avoir l'intelligence de se décaler, il lui a foncé en plein dedans. Du coup, il m'a rentré dedans. Il est parti en tête. Il est commencé à partir en tête à queue. Je l'ai rétabli, mais c'est moi qui ai parti en tête à queue. Donc du coup, je suis parti très très loin. Et merci à Chauffe qui fait son abonnement de 3 mois. Merci, voilà, GG, GG à lui, resub de 3 mois, et eh ben bien, voilà, 3 mois de suite, eh ben GG, merci, hein. Merci beaucoup pour ton soutien. Du coup, je me suis qualifié en 16e position. Alors, est-ce que ça va être comme la course précédente? Parce que, voilà, la course précédente, malgré le souci que j'ai eu au dernier tour, on ne peut pas dire le contraire, c'est que la course était plutôt fair play. Ça m'a tamponné un petit peu dans le cul, mais elle était plutôt fair play dans l'ensemble, c'est-à-dire que j'ai pas eu de problème. On sait que le nouveau système de pénalité fait beaucoup débat au sein de la communauté en ce moment, parce qu'elle est devenue inexistante, cette pénalité. On va voir comment que ça va se passer. Rob Speed, je crois que j'ai déjà vu lui. Je crois qu'il est fair play. Je crois qu'il est fair play, on l'avait vu à Tokyo. Merci, c'est beau. On me souhaite bonne chance. Voilà, j'espère. Alors, on va essayer de faire une course assez propre. On va partir doucement parce que j'ai les durs. Je ne sais pas en quelle pneumatique ils sont partis les autres. Donc, on va voir. Allez, les amis, on met le son dans les oreilles pour être en immersion comme d'habitude. On est parti pour 12 tours devant moi. Apefker, l'allemand, est derrière moi. Rob Speed sur sa belle Aston, l'espagnol, derrière moi. Et lui était plutôt fair play. Salut, nanan. Merci, Sandrine. Et merci encore à Chauffe qui peut. Merde, j'ai encore oublié d'accélérer durant. Bon, c'est pas grave. Allez, on est parti. Ouais, ça part, téléphone, il est parti en tête à queue. Je sais pas si c'est moi qui a fait la connerie là. Bref, on verra en fin de course.
Au freinage, la Aston, elle me rattrape. Hein. Voilà, on va partir pour 6 tours, hein, je rappelle, avec les pneumatiques dures. C'est en moyen les autres derrière. C'est pour ça que j'ai du mal à les semer. Mal pris là, mais par rapport à l'autre course précédente, là vous voyez, je tombe une seconde plus vite que tout à l'heure. Qu'elle allait me foncer dedans, donc du coup j'ai préféré écarter un petit peu la trajectoire. J'ai peur qu'il me fonce dedans à chaque fois. Donc, je suis tout le temps en train de regarder mon radar. Bon, l'Allemand, elle a l'air bien. Il n'a pas cherché à me passer directement. Je perds du temps sur Bella parce que je surveille tout le temps l'arrière en fait. Le radar.
Allez, dernier tour et après je vais au stand. Salut Alain. Bon, devant ils sont en dur. L'allemand, il est bien. Oh! Bon, il m'a percuté quand même, mais bon. À mon avis, il a loupé son freinage parce que, voilà, depuis le début, il est bien. Et du coup, j'ai perdu du temps. Merde. Ah, merde. Fais chier. À la prochaine, chauffe qui peut. Hein. Merci d'être passé, hein, comme d'habitude. Ouais, l'allemand, c'est une crème. Mais là, il a loupé son freinage. Bon, c'est pas grave. Hein. Je lui ai tué un peu à rigueur. Parce qu'il a été... Franchement, depuis le départ, il est correct, quoi. Voilà, c'est pas grave. Je l'ai un peu gêné un petit peu au début. Là, il m'a gêné. C'est pas grave. Donc, du coup, je perds une position. Parce que quand je suis rentré au stand, j'étais 11e. Thank you.
je rattrape l'espagnol de devant. Ouais, t'inquiète. Ils sont pas loin ceux de devant, hein. Fait chier. Hein.
Bon, bah, dixième. Voilà, j'ai rattrapé la bourde de tout à l'heure. Enfin, la bourde, c'est pas moi. Mais tout à l'heure, je pouvais finir 9e. Bon, là, je finis 10e. Ce qui est plutôt... Bah, c'était plutôt pas mal. Hein, 149 points pour une 10e place, c'est bien. Par rapport à la course précédente, ça a été... Bah, pareil, une bonne course, hein, fair play, tout ça. En fait, la course précédente, c'est juste que... J'ai eu une malchance, comme d'habitude, hein, la boulette, la malchance légendaire que je peux porter au dernier tour, à la dernière ligne droite. Là ça va, j'ai su gérer ma course, les mecs ont été plutôt fair play. Au tout début, j'ai un peu, je pense, un peu touché l'allemand, mais sans conséquences réelles. Après, il m'a retouché un petit peu, voilà, la boucle elle est bouclée. Mais l'allemand, je tiens à le féliciter parce que sincèrement, il était ultra correct. Il finit 19e malgré tout, c'est dommage pour lui. Mais il était ultra correct, il freinait, il cherchait pas à dépasser. Franchement, c'est très très rare pour souligner et je tiens à le souligner. Félicitations aussi à Raptor Phoenix et JB qui ont fini dans les 3 premières places. Donc voilà, 3 Français, Cocorico. Je marque 149 points pour cette course. Voilà. J'ai rien d'autre à dire de plus hein, sur cette course. Parce qu'elle a été plutôt. Elle a été correcte. Je pense que j'aurais pu aller chercher. Avec plus de tours, je pouvais aller chercher ce devant. Mais voilà. La Chevrolet, je pense que. Personnellement, avec moi, elle a atteint ses limites. Maintenant, avec, en main des autres, je pense qu'elle peut aller plus vite. Mais j'ai fait un moins meilleur tour par rapport à la course précédente. La course précédente, j'ai fait 1.38. Là, j'ai fait 1.39.035. Bon, bref. Voilà. En tout cas, ça a été. J'ai pris plaisir à rouler dessus. Et voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de commenter, de liker, de vous abonner, de venir me suivre en live sur Twitch. On est 45 encore actuellement sur le live. Et c'est beaucoup plus agréable de suivre une course en live. En plus, il y a les qualifications. Voilà, par rapport à vous, YouTube, qui regardez cette vidéo. Voilà, je vous dis à la prochaine. Ciao.